nous revoilà dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue ce jour. C'est pour vous montrer, déballer avec vous le cadeau de Emma. Donc c'est pas le calendrier de l'Avent. Donc je viens de le recevoir, enfin j'aurais pu le recevoir hier, mais j'ai été le récupérer tout à l'heure à la poste parce que évidemment mes postes ne sonnent plus chez moi. J'en peux plus de la poste. Donc Emma, merci, 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 merci mille fois. Et oh, ça sent bon. Petite carte. Oh, coucou beauté. Très gentil. Le tout est dans un joli petit pochon en coton. Et il y a une licorne dessus. Il y a Beauty Things Inside. Avec une licorne. J'adore. J'adore la poche, hein, Emma. Bon, les licornes, j'adore. Alors, je vais regarder le petit mot que Emma m'a mis. Petite carte tout net. Petit mot. Alors. Merci Maïma. Oui, je vais. T'inquiète pas. Après, je sais pas quand. Alors, je les pose de côté. Hein, le petit courrier. J'ai tout balancé. Hop. Ouh là 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 là. Mais c'est de la paillette. C'est de la paillette. Donc là, il y a plein de paillettes. Donc oui, effectivement, je vais pouvoir. Donc il y a. Alors, je vais essayer de ne pas tout mettre par terre parce que je me mange, j'ai deux mains gauches. Il y a, alors, des petites paillettes roses. Sublime. Oh, du bleu turquoise. Je vais plutôt vous les montrer comme ça. Bon, classique doré, hein, mais ça marche toujours. Oh, vert. Vert comme mon t-shirt, en fait. Mais pailleté. Oh, j'adore. Oh là là. Alors, ça, c'est... je dirais c'est un peu blanc multicolore, blanc argenté avec des petits reflets de toutes les couleurs, j'ai l'impression. Mais c'est... Ça fait des folies, Maïma. Ah, du rouge, basique, Noël. Hein. Encore le même vert. Waouh, un rose fuchsia avec des petites paillettes dedans multicolores. Mais c'est canon, ça. J'adore. Du noir, pareil, c'est classique, mais ça marche toujours. Cuivré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait des reflets, mais c'est cuivré. Emma, tu m'as gâté. Truc de dingue. Voilà, je sais ce que je vais faire parce que, au bout d'un moment, ça risque de, je risque de plus avoir de place. Je vais les mettre dedans. Bon, maintenant, il faut que je trouve de la glitter glue hein, pour faire tout ça. Trouver une solution pour les fixer, en tout cas. Et, bon, j'en ai encore plein. Hein, donc, voilà. Alors, un rose violacé, mais pff, trop joli. J'adore les paillettes. Blanc, blanc irisé. Voilà. Un marron glacé, bah, pareil, brillant, marron glacé magnifique. Oh là 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 là, c'est... je sais, bon, argenté, là ça fait vraiment joie, on voit vraiment l'argenté. Tout à l'heure, c'est d'être mélangé avec d'autres couleurs dans le pot. Un bleu nuit. Sublime. Ah là là, j'ai un rose fuchsia encore. Magnifique. Mais on dirait qu'il y a un petit peu de noir dedans, dans les paillettes. Mais c'est magnifique. Un couleur un peu licorne. Enfin, pour moi, c'est licorne. Hein. C'est un mot. C'est un couleur un peu lilas, irisé, avec des paillettes multicolores dedans. Mais pour moi, ouais, ça fait c'est un violet licorne. Alors. Alors là, j'ai un autre turquoise. Et ça, c'est un. C'est un vert un peu turquoise aussi, mais c'est pas bleu. C'est un peu vert. Je pense pas que vous allez pouvoir voir la différence. Mais moi, je le vois. Oh là là, je suis redevenue une petite fille, en fait. C'est un truc de fou. Un rose différent que l'autre. Je sais pas comment dire, mais un rose un peu plus clair, en tout cas. Super joli. Mon Dieu. Oh, je suis gâtée. Un rouge un peu bordeaux avec un peu de marron. J'ai du mal à vous décrire, mais c'est magnifique. C'est sublime. Bon, encore un fuchsia. Et il en reste presque plus. Je vous ai presque tout monté. Un vert. Oh, magnifique. Un autre bleu. Qu'est-ce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que j'ai été gâtée. Alors ça, c'est pareil, c'est un rouge. Mais un peu différent de l'autre. Un autre cuivré. C'est pas tout à fait le même que le premier. Je pense pas que ce soit tout à fait le même. Et un doré.
Effectivement, je suis, mais je vais être pailletée, ça va être génial. Tout ça dans une petite pochette, mais juste ravissant. C'est la mignonnerie totale, j'adore cette licorne, elle est trop belle. J'adore, oh c'est trop beau. Je suis, mais ravie. Je sais même pas quoi te dire, tellement c'est gentil, Emma. Tellement je suis contente parce que je m'attendais vraiment pas à tout ça. Tu m'as aimé beaucoup. Je suis vraiment très très contente. Et alors par contre, je m'excuse pour la tête affreuse que j'ai. J'ai commencé à 7h30 ce matin. Pas de maquillage, j'avais pas le courage. Du coup, je suis pas plus coiffée que ça. Enfin, c'est la coiffure de sortie de travail en fait. Donc c'est-à-dire pas vraiment coiffée. Je les ai pas ouverts, Emma ne m'en veut pas parce que j'ai pas de quoi les tester pour le moment. Faut que je trouve ce que je peux utiliser comme colle à paillettes. Je pense que je vais trouver, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis toute contente, je sais vraiment pas quoi te dire, c'est waouh. Bon, en tout cas, je te fais de gros bisous. Et je te dis encore mille merci et j'ai hâte de voir ta vidéo enfin les autres vidéos des calendriers l'avant parce que chaque cadeau, bah, je vois que ça te fait plaisir, que j'ai visé juste et voilà, moi je te l'ai dit dans le petit mot, je te le dis face à tout le monde, ces cadeaux ils ont été choisis par rapport à ce que tu m'inspirais, par rapport à ce que j'ai trouvé et je trouve que c'est des cadeaux qui sont à ton image, qui te ressemblent et je me suis pas trompée parce que ça te plaît. Pour tes cadeaux c'est pareil, ça me plaît énormément, t'es bien tombé. Le démaquillant d'ailleurs il est où? Il est là, je l'ai testé, il enlève très bien les paillettes parce que j'ai fait une vidéo avec les petites tubes de paillettes, c'est pas une totale réussite, je vais vous la mettre quand même parce que ça donne une petite idée quand même, mais je pense à utiliser autrement, mais ça je vous en parle dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas ça m'a bien retiré les paillettes sans m'irriter la paupière. Et voilà, j'ai pas eu le temps de me servir encore des palettes parce que voilà, un peu débordé, mais t'inquiète, je suis sûre ça peut être des palettes pour faire des make-up un peu festifs aussi parce que elles sont colorées, j'adore. Et oui, les post-it ils se sont fait la malle, ils ont fait les malins dans ta boîte, mais il faut voir que les postiers ne sont pas tendres avec nos colis. Et que bon, bah ça se balade dans tous les sens. Moi, j'ai fait Tetris dans ma boîte. C'est pour ça que c'était aussi bien rangé. J'ai fait du Tetris. J'ai tout mis comme ça. J'avais pas de grosse boîte. Et c'est vrai que j'aurais une boîte un peu plus grosse. Ça aurait été plus simple pour toi à tout déballer. Mais moi, j'avais pas le choix. J'avais que cette boîte. Et j'ai voulu tout rendre. Donc, j'ai tout entassé. Et ça a fait un peu ça. Et donc, ne pense pas que c'était hyper carré parce que je voulais que ce soit hyper carré. C'était hyper carré dans la boîte parce que je n'avais pas le choix. Voilà, là je suis en train de brûler l'une des tartelettes, donc c'est celle qui ressemblait à un peu une couleur un peu cranberries. Ça sent mais magnifiquement. Je vais pas te montrer ce que j'en ai fait parce que j'ai le brûle-parfum que j'ai, il était trop petit. Donc finalement ça a débordé, j'ai mis ça dans une petite barquette. Et toute la cire qui coulait en surplus, bah, je la referai brûler petit à petit quand l'autre sera complètement consumée. Mais parce que ça, non, faut pas perdre. On gâche pas. On gâche pas un produit pareil. On gâche pas. Ça sent tellement bon. Je pense que si je retrouve cette senteur-là, en tout cas, c'est sûr que je la rachèterai. Ben, l'autre, ben, je verrai. Et ben, soit j'achète un plus grand, soit je la couperai en deux, la tartelette. Voire en quatre. Parce que ça fait vraiment beaucoup de produits. Et je me rendais vraiment pas compte comment ça brûlait. Enfin, comment ça fondait dans le brûle-parfum. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis mais ravie de ce cadeau. Je crois que c'est la plus belle découverte. Parce que bon, les make-up, c'est joli, c'est sympa. Je découvre des marques. Mais ça, c'est un truc que je connaissais de nom et que je ne m'étais jamais servi. Et ça, du coup, bah, je pense que si c'est le même principe que les fondants d'Elodie, j'irai voir ceux d'Elodie parce qu'ils ont l'air d'être pas mal aussi au niveau des... Juste les noms, ça me plaît beaucoup. Donc, je pense que j'irai peut-être plutôt sur les fondants d'Elodie. Après, si je trouve ce parfum-là de chez Yankee Candle, bah, je pense que je m'arrêterai sur le... Je m'en prendrai un ou deux parce que ça sent très très bon quand même. Voilà, merci de ces découvertes Emma. Merci de ce joli cadeau qui me plaît beaucoup, qui me fait énormément plaisir. Je te fais des milliards de bisous et je te dis très vite dans une prochaine vidéo. Ah oui, c'est vrai que j'oublie pas, je te mettrai la chaîne d'Emma en barre d'infos. Et c'est Emma US Life qui m'a fait ce très joli cadeau. Et pour ceux qui ne comprenaient pas de quoi je parle avec les tartelettes, le calendrier et tout ça, on a fait un calendrier d'avant ensemble.
Donc tous les jours, moi à peu près vers 20h, je publie ma vidéo du calendrier et Emma aussi. Donc par contre, je crois que c'est à peu près en même temps qu'on poste, voilà. Et chacune notre tour, on montre les cadeaux qu'on s'est fait entre nous. Et jusqu'au 25 décembre, 24 décembre, je sais plus, je crois que je t'ai mis 25 cadeaux, Emma. Je sais plus quand on est Noël. Voilà. Puis je me suis dit un cadeau de plus, un cadeau de moins. C'est pas grave. Voilà. Ça fait une vidéo de plus et une découverte de plus. Sur ce, vraiment plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez des pouces, laissez des commentaires et moi je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao!